Bandeko, balandia Congo Live Télévision, Mbote pe boye et là mon nouvelle émission Oyo ya deux billes à semaine, le 17 juin 2024, lundi, depuis l'est de la République démocratique du Congo, Tolobi Matondo Mingi na ba Congomani nyonso Oyo, bazolanda biso au travers le monde, Tolobi Matondo Mingi na ba Congolais nyonso Oyo, baza sika kolanda ba émission na biso. Po ba to ba mana kanabiso sur Congo Live Télévision. Tolobi mbote na mokolo mwalelo, mbote na ba téléspectateurs banso bakeyi na kolanda beto na ngunga yai na diaspora. Tolobi moyo pe kya mbote kienu na ba téléspectateurs banso bazolanda biso na kati ya République démocratique du Congo. Tolobi moyo na ba kongomani oyo baza na tikapa, moyo na ba kongomani oyo bazali na Lomami, moyo na ba kongomani nyonso oyo bazali na Lualaba, pourquoi pas baye oyo bazali na Kwilu, baye oyo bazali na Kwango, mais également ba oyo bazali na Congo Central, sans oublier province à Sud Kivu, province à Nord Kivu, province ya Ituri, province ya Lomami, awa tozolo bela ba kongomani nyonso mbote na bisika bazali. Na mokolo mwalelo, basango oyo ezo concerne bitumba à l'est de la République démocratique du Congo, tokolobela yango, mais avant tokobandela ba propos oyo bakonzi moko moko au travers le monde bazolobela bitumba oyo ezoleka na kati ya mboka na biso, tokolobela pe makambo oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo, et puis à la fin tokoya koshite awa na makambo oyo ya bitumba à l'est de la République démocratique du Congo. Ndenge boyebi bakonzi ebele ya mokili bazalaki elongo kosangana, bakendaki na G7 oyo ezalaki na Italie. Ndenge boyebi boza ebele bakendaki kuna, notamment oyo ya Kenya William Ruto, oyo France ya France pe azalaki kuna, bazalaki ebele bakonzi ebele na ba réunion munene oyo esalemaki kuna. Me na réunion oyo esalemaki kuna na kokutana oyo bakutanaki na masolo oyo basololaki, nini lelo biso tozo retenir na kati wana, nini ezo concerner biso na kati wana sur le propos oyo balansaki sur Congo, République démocratique du Congo, bitumba ya Est, nini ezo ko concerner biso na kati ya likambo wana. Guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, le pape François Pontifex FR appelle la communauté internationale à s'impliquer pour mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Je lance un message aux autorités nationales de la République démocratique du Congo et à la communauté internationale pour qu'elles fassent tout ce qui est à leur pouvoir pour mettre fin à la violence et préserver la vie de civils. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués in odium. Beaucoup sont des chrétiens tués en odium fidèles. Ce sont des martyrs. Leur sacrifice est une semence qui germe et porte du fruit et nous enseigne à témoigner par de l'évangile avec le courage et la cohérence. Pontifex faire. Donc, wana ba pape François Moutou a lancé qui message wana ya kolobaye ki azo benga lelo ba autorité congolaise abengi communauté internationale eya pour que emona boni et ko résoudre makambo wana. Donc, ayambo abengi bakonzi ya RDC basala nyonso oyo eza na makoki na bango, nyonso oyo eza na pouvoir na bango, nyonso oyo ezali na ngambo na bango oyo bakosala pour que bitumba esila en République démocratique du Congo, pour que ba atrocité oyo ba menace oyo esila à l'est de la République, mais également que la communauté internationale ne garde pas son silence sans prononcer un mot ndenge ezotalema. Plusieurs Congolais bazoloba oyo Ruto azalaki kuna, moko ya ba complice ya bitumba oyo wana eza ba analyste congolais, wana eza ba kongomani bato bazoloba. Emmanuel Macron, président de la France, azalaki kuna, moko ya batu bazo appuyer Rwanda kosala ba atrocité wana dans l'est de la République, yepi azalaki kuna. Bazalaki ko estime que
Ezalaki ya malonga. Potifex ayebisa bango kaka mbala moko kuna kebatika ko soutenir makambo ndenge bazo sala yango. Aza moko ya batu minene na kati ya mokili, aza moko ya batu oyo atosami na kati ya mokili. Eske ba propos na ye ekosale maeke communauté internationale eyo kalikambo yango. Yango lelo ba kongomani ebele bazo mituna. Réellement banani bazina sima ya bitumba parce que ba oyo bazo bazo funda make baza sima ya bitumba ba ye o wana kaka lelo bazo ya pour que ba lo baike likambo oyo zo sale mana RDC bango pe ba condamné ba ye oyo baza akize bango pe bazo lo ba condamné ba condamné l'état que bazo baza akize ko soutenir batu oyo bazo buma batu na kati ya ya bamboka wana kati ya Nord Kivu. Donc wana eza deja un problème sérieux et que communauté internationale esengeli esala musala ndenge esengeli. Kolobela makambo ya Est République démocratique du Congo, deuxième point na biso eza kolobela oyo patrui Monisco ezo sala na Grand Nord ndenge boyebi depuis un certain temps. Deux semaines et qui coléka lelo et va tuer belé bazolo ba du 3 juin jusqu'au 12 juin il y a au moins plus de 215 personnes au babouma qui bango selo batu oyo mutuna mutuazo relevé bilanai batu oyo bakufa ki monisko lo baki ki ko sala ba patrui o basala ki weekend nini et komela ki e bango nini oyo ekomela ki bango na bisika oyo bakendaki kosala yango wana tuza na beni mikolo bajene ya kuna bazolo ba basala ki pe na ba manifestation moko munene munene samedi wana ba activite ezalaki te nyonso ezalaki te ba butembo nyonso kuna ba manifestation ezalaki pona koloba bazo denonse pi ba kondane bazo linga lelo ba kubuma batu wana e arete lelo esale mate nini esale maki. Une patrouille de la Monisco qui s'est déployée dans les territoires de Beni le week-end a été bloquée par certains jeunes de la région. Un casque bleu de l'ONU a été blessé par deux tirs ennemis. Le manifestant accuse la Monisco de complicité avec les ADEF qui ont tué une centaine de civils dans la région la semaine dernière. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, Madame Bintou Keïta, chargée de la protection et des opérations, Autoplatis, a condamné l'attaque contre des casques bleus à Beni et appelle à un accès sans entrave pour la protection de civils. Yango na loba ki na yamboko loba eke, ba ye oyo, lelo baza sipose, lelo oyo bazo fundama, ke baza de mes na munguna, baza ba oyo pe bazo kondane biloko ezo salema. Ba autorite kongolese oyo ka ba kongomane bazo senga binu mkulu mwalelo ezaike bosunga bango bitumba esila. Bosunga bango ba mona boni bitumba oyo kukatana. Bosunga bango ba mona boni bakuzonga na ba village na bango. De milliers de personnes qui souffrent dans les camps de déplacés. De milliers de personnes oyo bakima na Kanyabayonga, bakima bitumba. De milliers de personnes oyo bakima na Nyiragongo. De milliers de personnes oyo bakima dans la ville de Goma. Baza ebele. De milliers de personnes oyo bakufa. Plus de 12 millions de personnes depuis que bitumba et banda depuis 30 ans comme ça. Et aujourd'hui, bakongomane ba estimé que c'est beaucoup. Bazala ki bloqué. Na patrie o basala ki ba jeune wana ndenge bozo tala ba insisté ba lobi ke biso to boyi likambo wana biso to kondi mate ke batu o ba continue ko sala ba patrie na kati ya mboka na biso pandan ke biso tozo sipsoné bango ke bazali na collaboration na ba ADEF depuis plus de 25 ans bazali sur le sol congolais nan basala elo côté depuis plus de 25 ans bazali awa me babu makabiso kaka yango biso to lembi esengeli batuana bazonga bisika oyo ba utaki. Voilà donc ba problème oyo e continue lelo kosala mabe na mitu ya bato. L'état ke bakozo continue kobuma bato. L'état ke le gouvernement congolais bango pe bazo aménager pour voir comment est-ce que bakosala pour que basilisa bitumba. Nouvellement nommé ici Guy Mwandia Vita Kabungo oyo azali moko ya ba autorité oyo baza concerné na likambo ya sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo mais également sur l'étendue du territoire national ye azo banza ke ba FRDC alobaki kuto alobaki zaki premier sorti na e
oui alobaki eke ba soda ya FRDC bazomi comporter très bien et puis bazomo na boni ko étouffer munguna pour que ba intimidation munguna esila pour que ba bisika nyoso munguna zo okipe ba eloko wana ekweya na kati ya nini ya mai. Voilà donc lelo tokolo bela bitumba oyo zo sale madaleste di pays ezo kamisasko ba kongole kutala batu oyo baza akize oyo ba fundami kozala sima ya likambo oyo lizo salema ezo salema na kati ya mboka awa likambo oyo ezo leka batu bazo kufa likambo oyo batu oyo bazo perdre ba vie na bango batu oyo ba fundami baye wana kaka pe baye na mukolo mwalelo pona koloba eke bango pe ba kondane nini toko comprendre wana nini esengeli ba kongomani ba yekola ba yeba na kati ya likambo wana yango tozo benga ba kongole nyoso oyo ba bosani ke bitumba oyo eza ya bango mobilisation esengeli ezala collaboration civilo militaire esengeli ekatana te parce que une fois ekatani munguna azwi nzela deja une collaboration oyo kusala ba FRDC na ba jeune résistant wazalendo ndenge zo simba ndenge tozo tala mais également ba FRDC na ba population oyo batika kina kati ya mboka collaboration wana ezala pour voir comment est-ce que munguna akozala na suka ya souffle naye. Le nouveau ministre de la Défense nationale rassure dans sa première sortie à propos de la guerre dans l'est du pays. Sur toutes les lignes de front, nos militaires se comportent avec bravoure pour mettre en déroute les ennemis de la paix et sécuriser nos populations. Guy Kabongo, Mwadiam Vita. Aza Mokonzi, alobi ki ba FRDC, bazomi comportait très bien. Azala ki investi il y a quelques jours ici. Première sortie médiatique na ya amoni si ki ba FRDC, bazana ngo bien bazo. Bazo tala, boni bako etoufe munguna, ndenge la loba ki ango na premier tour, boni bako etoufe munguna, pour ke munguna azo anzela te, eke ba kimisae libanda yamboka. Kosala retro na makambo oyo, e salema ki ya vendredi passé, vendredi samedi, o etiki koleka eke bitumbezala ki signale dans le territoire de Rutshuru, mais également na babon moko moko, oyo ba rebel ba larga ki sur le territoire de Nyiragongo bien que kozalaki mutu oyo akufa kite na oyo asimba makite nini esengeli to retenir de l'autre côté. Des camions de M23 RDF ont été neutralisés par l'artillerie de FRDC dans le escarpement de Kabasha après Rwindi. Ces véhicules amenaient des hommes et munitions pour renforcer la première ligne de rebelles dans cette partie. Des sources bien placées affirment la mort de plusieurs éléments RDF, dont un officier de renseignement du nom de Ihiro Théo. Ihiro Théo, aza moko ya ba konzi o ya renseignement rwandais, moko ya ba RDF oyo abungisa ki vinaye na kati ya ba bombardement oyo FRDC esalaki likolo ya ba M23. Wana eza juste après Rwindi bakendaki balingaki bakende ko renforcer ba position na bango. Heureusement, sukoi ba avion de chasse ya FRDC na mukolo mwalelo ezo lala te, ba sukoi na ba avion de chasse ya FRDC bazo sala nyoso pour que ba contenir munguna, pour que ba étouffer munguna a avancer na ete. Lelo tozoloba, ba jeune nyoso rwande wana oyo bazo bungisa vie na bango. Ba jeune rwande nyoso oyo bazo kufa na mukolo mwalelo. Nini ba jeune wana bazo banza? Nini ba jeune wana ezo motiver bango? Ba officier na bango bazo kufa ndenge toyokaki ke ya certains officiers oyo ba remania ki bango oyo ba changea ki bango osea RDF osea armée rwandaise osea ya ba bureau na bango kuna na Rwanda waneza après kotala boni bazo kufa bazo sila sur les lignes de front et puis ba continue ko boma bango et qu'est-ce qui les entête au jour d'aujourd'hui nini ezo entêté bango soki lelo bazo stopete soki lelo bazo ndimate ke bitumba eza bien te nini ezo entêté bango tina mukolo mwalelo bazo sila me bazo ndimate aux herbes espérales ya samedi o itiki koleka
Les M23 ont largué depuis le groupement de Buhumba dans le territoire de Nyiragongo des bombes d'artillerie sur la position des FARDC. À Kanyamaoro, pas d'énormes dégâts signalés selon notre source et sur place. Une source militaire précise que les FARDC ne se laisseront pas face à cette manœuvre de rebelles et leurs alliés. Les FARDC restent mobilisés pour parer à toute éventualité, ajoute-t-elle. Notre source, Ezo Bakisa Kolobaïke, FARDC, malgré Biloko Oyo ba M23 Bazo Sala, FARDC Ekotika, jamais et jamais que Banguna ya M23 ba continuer ko larguer ba bombe na bango. Donc toutefois, ba beti bango pe ba ko répliquer. Toutefois, ba ko zelate ke ba beta bango pour que bango pe ba mona boni et ko salema. Donc lelo wana tozo benga ba FARDC ba continuer ba l'acheter, ba continuer ba beta banguna ndenge sengeli ndenge depuis SADC beta ba bombardement nango likolo ya ba position ya M23 tina mukolo wa lelo nan toyoki bango te. Population ba bandi komi plaindre ko loba ye ke sengeli SADC ezongela rythme oyo ezalaki nango ezongela rythme oyo ezalaki mukolo wana, parce que soki basali au moins une semaine, au moins un mois ya ba opération wana ezosalema chaque jour, to estime ke même Arubaya place bazali baza contrer aujourd'hui de rester, parce que baza nan zela te bazali nan zela te bozoyoka ke izokipe jusqu'à présent Rubaya, parce que basi bazangi bisika bakolekela et que les FARDC bazotala boni bakosala pour que ba M23 bazala nde capturer, parce que wana ya aussi des populations civiles. Ok, si balobi ba lancer directement ba opération bongo, il y a aussi des civils oyo ba ko perdre de vie. Alors banguna baza na bisika ya kobimela te aujourd'hui, so contre de rester à Rubaya, parce que baza na nzela te bisika ya kolekela. Basi ba encercler bango Rubaya mobimba, ils n'ont plus où passer na bisika ya kokende ba kozo yango te. Wala so toye kolobela pe lisusu Kanyabayonga au début de cette semaine, il faudra toujours assurer que Kanyabayonga jusqu'à présent, malgré les tentatives ya Banguna, malgré nyonso ba M23 bazo sala, Kanyabayonga etikali na maboko ya ba FARDC. Kanyabayonga etikali na maboko ya ba ya bazalendo. Il y a certaines populations oyo bazaki basi bakimi Kanyabayonga suite à ba bombe oyo ba M23 bazalaki kolarge. Mais na mukolo oyo ya lelo ba banti kozonga moko moko. Ils comprennent que Kanyabayonga ekokweyaka jamais, parce que l'armée a toujours rassuré que ni Goma ne tombera jamais, ni Sake ne tombera jamais, ni Kanyabayonga ne tombera jamais. Au plus de cela, bamboka oyo ba M23 bazaki basi bazui nde bango bazo sala nyonso, bango bazo bundisa nyonso pour que ba récupérer bamboka wana. Encore une fois de plus, yango tozotala bango lelo bazo pesa oyo sengeli ba pesa bazo bunda ndenge esengeli ba bunda na ba condition nyonso oyo yebani, bazo sala nyonso oyo esengeli ba sala pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Et ça donc ba sango oyo tozalaki nango na mukolo mwa lelo, lelo lundi début ya semaine. Donc ndenge beaucoup tala ba information yango wana ezalaki koloba eke tina mukolo wa lelo, lelo lundi nanu bitumba eza signale te. Soki ba signale biso ke bitumba eza quelque part, nous n'hésiterons pas de nous rendre sur le terrain, mais également de vous apporter la bonne nouvelle en temps réel. Nanu soki omi abonné te sala yango, activer son ya cloche ya notification pour que ore se voilà ka toutefois ba information o yezo salema ba information yezo le cas l'est du pays. Nazongeli koloba mobilisation ba kongomani esengeli ezala ebele, mobilisation ba kongole nyonso esengeli ezala likolo, esengeli biso nyonso to mizuwa to kaba amboka oyo te, to pesa munguna nzela te, to sala manso pour que bitumba oyo ezosila. Na gouvernement nyonso suminwa oyo etiki kokota ba yebareke musala esengeli Congo e redonne image mosusu. Mutuna poste naye, qu'est-ce que la RDC retiendra de lui après passage naye na ministère wana? Bazalaki nanu ba ministre te, bazalaki kotonga ba oyo bazalaki ba ministre, mais bango lelo qu'est-ce que aussi on dira na passage na bango? Mutuna fonctionnaire, mutuna oyo azosala yo za lelo za ministre tel nini ozosala nini ukosala na mboka
ndenge balobi bakobanda koévaluer chaque ministre 3 mois après eza ba décision oyo ebimaki na conseil des ministres initié par le président de la république eza pe bien eza pe bien pe ba sanction nini oyo ekobanda koya na moko moko oyo akotosa oyo esengeli asala la république parce qu'ils doivent travailler pour la république, ils doivent travailler pour le peuple congolais. Le peuple congolais veut voir un changement balingi bamona congo ya lelo ezala congo ya lobité mai eza te Kura ezate, babalabala ezate, bitumba ebakisa melikolo. Donc, bazana intérêt ya kosalela mboka. Surtout que, eza manda ya suka ya président de la République, mboka eko retenir nini na likolo na ye koleka na mutu ya mboka. Voilà donc les informations tuzala ki nango na mokolo mwalelo. Tulobi matondo na ba telespectateur banso ba na Congo Live Television o balanda ki biso na libandeli tina suka ya manaka na biso ya lelo. Tulobi matondo mingi, bon début de semaine à vous, pe na mokolo mwako ya, pona basango na biso, yasika.